Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dofus 2, quatrième épisode sur l'aventure GH. Encore plein de trucs à vous montrer, ça a bien avancé. Déjà là, vous voyez les news, vous faites... Ok, déjà ça, qu'est-ce que c'est? Alors, vous l'avez vu dans le dernier épisode, hein, pour y venir très rapidement, on n'avait pas réussi à reroll, mais on avait fait le stuff niveau 60R, on avait testé sur Lenny, mais qui devait devenir Lenny, donc ça a été fait, voilà, il y avait un bug sur la boutique, pas de problème. Donc là, c'est fait, Lenny, il est là, il a très bien avancé, juste avant l'épisode, je vous montre un petit peu tout ce que j'ai à vous montrer, et puis après, vous allez voir, on a un épisode à thème avec un petit objectif qui devrait être vraiment cool avec le drop, on va se faire un nouveau stuff, tout ça, tout ça. Donc déjà, le petit Lenny, il est là, regardez, j'ai acheté une panneau colorivant, là, c'est trop stylé. Vraiment, le flow de cette nuit, il est incroyable. Voilà, je tiens à dire, il est incroyable. Si je suis à la maison bûcheron, on va commencer par... Enfin, la maison bûcheron, l'atelier bûcheron. Enfin, des bouffetous, c'est parce que j'ai acheté une maison. Voilà, donc une petite maison à 1,5 million, pas trop mal. Pour juste pouvoir mettre le bois, c'est sympa. Donc, je vous montre vite fait, regardez, tac, tac, tac. Avec le stock de bois qui continue, évidemment, de monter. Et là, vous voyez, j'ai au niveau 200 le bûcheron. Voilà, ça a été fait, donc sans problème. Hein. Forcément, à force de casser un peu de bois. Donc, je fais, comme je vous le dis, hein, je fais un peu de stock petit à petit. On se met bien en bois, les substrats coûtent plus grand chose, donc en vrai je fais plus trop de kamas. Malheureusement avec les substrats je vends vite fait un peu de bois, et voilà, c'est pour les kamas, les succès aident beaucoup, vous allez voir, on a aussi bien monté au niveau de succès. On était niveau 60 la dernière fois, et ben nous sommes aujourd'hui niveau 92, voilà, ça a bien avancé, 2000 points de succès, donc j'ai fait pas mal de petits, donc on fait les tours du monde, on fait les succès donjons et tout, j'ai fait aussi quelques petits succès mobs, quelque chose qu'on a fait également, hein, entre temps, c'est le Dofus Kawatz, et j'ai également fait, quand je me suis chauffé pour le Dofus argenté, parce que ça sera bien pratique quand le colis sortira ce mardi, voilà, donc ça vous verrez, il y aura une vidéo à thème aussi avec le colis, tout ça, j'en dis pas plus, donc voilà, le stuff il est là hein, pour l'Enu, donc l'Enu très très fort, j'ai rajouté la mublop Coco Royal qui permet de gratter une invo, parce que jusqu'à là j'étais qu'à une invo, c'était un peu triste sur le stuff, vu que l'Enu, voilà, il y a la pelle, il y a le sac, et maintenant j'ai même le coffre, niveau 90, c'est plutôt bien, il y a les bottes aussi, les blobs Coco Royal que je peux pas craft, parce que il faut dégaler cramoisi. Mais il y a un PO sur les bots, donc je les voudrais forcément dès que je pourrais les prendre. Donc voilà, voilà, et sinon bah, le stuff c'est toujours le même, vous allez voir. Je vais vite fait vous montrer un petit peu les nus. Bah, vous savez quoi, on va le tester en pratique. Voilà, les tours du monde s'avancent bien. Vous voyez aussi que j'ai fait les 4 alignements braque. Voilà, ça c'est cadeau, c'est assez simple à faire. Ça se fait de pair avec les tours du monde, vu qu'à un certain moment on a des donjons à faire. On a fait les gelées royales, on a fait le crackler légendaire. Là vous voyez, on est au gourlot le terrible et à la brachnide ancestrale pour les tours du monde. On a aussi du coup le moon qui est en court, le Dokoko du coup, voilà, le Dokoko qui sera fait très vite, là il manque plus que le Moon, donc il faut dropper, on attend les bros là, on va le faire ensemble, et là en fait, l'objectif de cet épisode, attendez, je crois que je vous ai à peu près tout dit déjà, au niveau, et au niveau de tout ce que j'ai avancé, voilà, donc les quêtes, on est niveau 90, on est très bien, on est beau, tout va bien dans le meilleur des mondes, ouais, donc je pense que c'est tout, du coup l'objectif les gars, je vous attendais pour le faire, j'aimerais, on va aller sur, hop, Dofusbook, j'aimerais faire un petit stuff PP. Comme vous le voyez là, donc je suis qu'au niveau 80, donc forcément c'est pas ouf, 90. Et du coup, bah, on va faire un petit stuff PP pour tenter de dropper des sèves de tremble. Voilà, vous savez, en ce moment, niveau 200, on peut dropper, on peut bûcher, enfin le tremble. Et il n'y a pas encore trop de bûcherons niveau 200 pour faire de la concu, donc le tremble est assez free. Et ça peut être sympa d'essayer, donc c'est un petit peu l'objectif de cet épisode. On va essayer bah, de se faire un petit stuff PP sympa pour tenter d'aller dropper une sève de tremble. Voilà, je le ferai un petit peu. Donc regardez, avec les moyens du bord niveau 80, on peut quand même se faire un petit stuff sympa. Et notamment avec le no moon qu'on va aller chercher. Voilà, je fais les quêtes du moon, de l'île de moon entière, pour avoir le petit succès sympa. Il y a notamment la quête qui permet de choper le no moon qu'on va aller valider là tout de suite. Donc tout ça, vous voyez, on va faire le stuff. Voilà, le petit stuff qui est là, qui permet de regarder hein, sans FM. Et justement, on va faire la FM, donc ça doit être assez cool. On va pouvoir reach 383 PP. Sachant bon que le no moon là, il est à 120 PP. Donc ça sera pas le cas, je vais pas le monter niveau 100, ça coûte assez cher. Par contre, on va gratter quand même de la PP sur la FM. Donc on verra combien on aura de PP. Moi, on devrait pouvoir s'approcher d'un truc vraiment sympa pour pouvoir peut-être espérer dropper. Voilà, ça va être un petit peu l'objectif de cette vidéo. On va tenter de dropper des petites sèves de tremble. Regardez, c'est 0,5% de base, donc c'est très faible. Mais voilà, avec 300 PP, ne serait-ce 300 voire 400, on fait x3 ou x4, et ça donnerait 1,5 de PP. Ça peut se jouer. Voilà, on peut le tenter, sachant que, comme je vous dis, il y a pas mal de justement de tremble dispo, vu qu'il n'y a pas trop de bûcherons. Donc là, je vais aller valider avec vous la quête pour choper le no moon. On va le monter tranquillement au niveau plus haut possible avec un peu les runes que j'ai. On va voir, et on va se faire ce petit stuff avant d'aller tenter de dropper une sève de tremble. Voilà, je pense que le programme est assez cool. Donc je vais valider la quête, on chope le no moon, et puis c'est à peu près tout. Je vais vite fait vous montrer si je peux les dégâts de l'Enu. C'est tellement bon les gars, vous allez voir. Et le flow, j'adore franchement la colorivant avec mon petit Gaudron Braque, les couleurs classiques.
de mes persos, tout ça. J'aime vraiment beaucoup, voilà, donc les nus, un régal en tout cas. Ok, alors normalement j'ai tout, on va voir si ça passe. J'ai dû investir pas mal pour le No Moon justement, donc ça c'est la quête qui nous donne le No Moon. Je vais vous montrer un petit peu les succès. Et ouais, il faut 10 cols, c'est 20 000 KU, donc j'ai payé 200 000 Kama, voilà, donc c'est un peu cher, mais tranquille, parce que bah, parce que c'est cool, on aura un beau No Moon, voilà, là il ne reste plus que ça, il faut les craft. Et si tout va bien, j'ai ce qu'il faut, donc il nous faut, alors, sans fail, 6 planches, donc 6 planches, voilà, et 2 poutres. On va valider sans problème et débloquer notre petit No Moon. C'est parfait. On va mettre ça, regardez, hop. Regardez l'XP au passage, hein, les... Voilà, regardez, on a le succès. Très bien, Kaba, XP, voilà, les succès, c'est vraiment trop fort. Et rien qu'avec la quête juste avant, regardez, on a chopé 740 000, 23 000 pour la quête, c'est trop bon. Et on débloque du coup notre petit No Moon. Voilà, voilà. Et lui, on va essayer de le monter au plus possible. On va aller se faire le stuff très rapidement, hein, du coup, pour les succès. Tac, tac, tac. Je regarde, bah, allez, je monte vite fait pour les donjons. Regardez, niveau 1,50. Voilà, on a fait quand même pas mal. Il y en a certains sur lesquels on doit repasser. Mais voilà, ça se passe vraiment super bien, les gars. Je dis aussi un grand merci à tous ceux qui nous joignent en guild. C'est vraiment l'ambiance aussi en guild, ça fait super plaisir. On avance vraiment tranquillement. Nous, on est en groupe de 4 en gros. Avec les, voilà, les 4 bros, on est là. Les 3 bros, Ikem, Raz et Kitox. On fait nos petits trucs ensemble et ça avance vraiment super bien. Donc voilà, merci à tous ceux qui nous joignent. Il y a une super ambiance en guild. Ça parle, ça, c'est vraiment super. Donc n'hésitez pas d'ailleurs, comme d'hab, si vous voulez continuer à nous join. On est là à 48. Voilà, petite précision. Je tenais à remercier parce que vraiment, c'est super sympa. Merci encore. Encore pour les 15K aussi, pour tous les retours, ça aussi, en tant que j'y suis sur les merci, c'est super plaisant. De retour à Brakmar, donc on est parti pour faire des petits over et des exo PP, genre là, le bûcheron, vous voyez, on va venir, mais ça va être très simple, hein, de toute façon, là, vous allez voir, on va juste vraiment focus des choses, donc pour le bûcheron, d'ailleurs, le bûcheron, je me dis, attendez, il n'y a pas un bouclier PO, en fait, je crois qu'il n'y a pas un bouclier PO bas niveau, là, que je peux mettre, attends, ah ouais, mais après, j'aurais pas le niveau pour FM, c'est ça le problème. Ouais, c'est ça qui est problématique. Vu que j'ai pas le... Ouais, en fait. Encore une fois. Non, allez, vas-y, tant pis. On va rester sur ça pour le bouclier. Bon, c'est toujours 3 de gratter. Du côté du cac, je vous montre vite fait, hein, rapidement tout ça. Touk. J'ai crafté mon bâton, j'arrive. Alors là, on a un pupéo, donc on va prendre le pupéo. On le repassera carrément pas. Je vais juste pour l'instant, voilà, perf la chance. On va évidemment faire les items où il y a de la chance. On va perf la chance au max. Et puis, on va viser le plus gros over possible. Alors, tac, voilà, bah écoutez, parfait, ok, nickel de chez nickel. Alors, comment on la joue? Je pense que je vais un peu monter en PP, donc je vais faire 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, donc là il reste 30, on en met une, voilà, et on met 4, 3, 3 pas pro, on espère le 20, le 19 quoi. Si j'ai pas le 19, je refais. Ouais, 19 c'est bien. 9 d'over. Avec le 30 de chance. On va pas forcer plus, ça me semble bien. Ok, on valide pour ça. Vous voyez, on va vraiment juste gratter une dizaine peut-être environ sur chaque item si possible. On va faire les bots. Alors là, les bots, ça va être très simple. On va attendre le PPM. On va attendre que le PM saute. Ok, le PM a sauté. Donc j'en ai mis 2, 90 depuis. Donc 10 pas pro, on peut mettre. On en a déjà mis 2, donc on va encore en mettre 8 pour aller chercher le plus gros over possible. Let's go. Peut-être le 27, ça serait top. Oui, oui. Allez, 24, c'est déjà bien. Encore 9 d'over. On va pas aller chercher plus loin. On est à la ceinture du Kualak à tenter. Donc là, par contre, il y a pas de chance. Donc on va pas s'embêter. Il y a un petit peu un veau. Donc on va forcer un petit peu et on va voir comment ça passe. Ok, 20. On va viser plus. On a 7 de soins pour Dupuis et... Et l'invo, ok, l'invo qui passe, je peux en mettre 3. Ouais, bah encore 9 pp, hein, les gars. Je pense que ça ira, on va pas s'embêter plus. Je peux remettre, bon là, la pro passera jamais, donc ça sert à rien. Je vais pas forcer plus, parce que là, si je tente, il y a fortement moins que ça descende. Vraiment, de toute façon, là, c'est un petit stuff 80, comme je vous ai dit, on s'embête vraiment pas trop. Il me restera le costumage à faire avec les items gelés. Donc ça, je vais voir pour trouver quelqu'un, parce que j'ai pas encore monté le mage. Faudrait que je le fasse, d'ailleurs, ça, assez vite. Du coup, je reprends sur l'amulette. On a 32 chances qu'on va essayer de garder un max. Par contre, là, il y a pas de puits, donc on va forcer un peu comme un débile, et on va se dire à un moment... Ok, là j'arrête. Je vais vraiment essayer de garder le perf par contre parce que voilà, il faut opti à ce niveau-là, si possible. La chance c'est de la PP, évidemment. Ok, ça n'a pas descendu. La chance, descend la chance, bro. Ok, on repart sur la pas pro.
Et ouais, ça c'est le problème forcément, c'est que du coup la chance va vite, enfin va souvent sauter. 20, 20, là c'est bien je pense, 8 avec 29 de chance, c'est déjà pas mal je pense. De toute façon là si j'essaye plus, il y a plus de stats sur l'item, donc ça va être compliqué de faire mieux. On va voir pour les Nutrophions, je me crois en 1,29 là à faire tout ça. On va essayer là le... En plus il y a plus de fuite. Là ça va être chaud là. Je pense que 4-5 ça sera déjà beau sur cet item. Sachant que derrière j'aimerais voilà, remettre la chance. Ok les gars, j'ai 7 d'over PP. J'étais en train de remettre la chance, j'ai crit. Je pense que je vais pas remettre la chance parce que 3 de chance ça fait 0,3 PP. Alors que pour une pacha je risque de tomber une prospect. Donc ça vaut pas le coup, je vais rester sur ça même si on est qu'à 31 sur 40. C'est bien, on a 7 d'over, ça me sent vraiment bien, c'est pas évident hein. Sur un item comme ça où il y a que la fuite pour tanker un petit peu nos runes. Donc je valide le premier, je go faire le deuxième. Ok, ça me sent bien. 2 crits, j'ai de la chance. Là, tenter plus, c'est très risqué. Je pense que je vais valider là encore une fois. Ouais, ça me sent bien, nickel. La mue, on l'a faite. Ok, bah là on commence à être pas mal. Ah oui, il faut que je monte les gars le no moon. Alors le no moon, je vais aller chercher les runes. Je sais pas trop comment je vais la jouer parce que ça coûte très cher de monter les familiers comme ça. Ok, les gapem c'est 115 000. Vous savez quoi, je vais en acheter un petit peu. J'ai pas trop, j'ai plus trop bien en kama, mais je vais en acheter 50. Allez, je lui en donne 50, c'est cadeau. J'espère qu'il monte assez haut avec 50. Ça m'arrangerait parce que ça fait quand même 500 000. 74, 88 pp. Bien. Bien les gars, bien. Bien, bien, bien. 88 pp, ça me semble vraiment déjà propre. Donc on va déjà faire ça. Je vais faire le petit ensemble. Ok, c'est validé, je crée. On va voir ensemble combien ça donne tout ça en termes de pp. Ok, ouais, on est bon. Alors on n'est pas très beau, on s'en fout. Attention, suspense. Donc déjà pour l'instant, est-ce qu'on s'approche des 400 pp? On est à... pp. Je cherche la pp. La PP, 380, ok. Sachant que j'ai pas encore FM la cape et la coiffe, et qu'avec ces deux FM, voilà, sachant que là il manque 15 et que là il manque 2 plus les overs qu'on va faire, on va reach les 400 et on aura du coup 4 × 0,5, donc les 2% de chance sur les tremblants sorcelés, je crois le nom. Donc bah, pas mal pour choper des sèves. On va essayer ça. Je vais trouver un petit mage et je suis à vous, ne bougez pas. Ok les gars, c'est bon, j'ai FM, donc je suis à Frigos. On va rééquiper le stuff et on va voir combien on a de PP cette fois-ci avec la coiffe et la cape d'FM. On dépasse les 400 sans souci et on est à 412. Voilà, donc c'est pas mal du tout. Il y a les idoles, alors les idoles je crois pas, je crois que ça touche un petit peu, mais pas de ouf. Et de toute façon, j'ai pas d'idole. Donc voilà. Donc voici les petits items. Merci au bro Nuna la Nanu qui m'a FM au niveau du costume. Donc voilà, les petits items. Vraiment, c'est un stuff low cost, bas niveau pour la PP. C'est très bien. C'est ce qu'on peut faire de mieux à ce niveau. Donc si on regarde très rapidement au niveau du bestiaire, le tremble. Tremblant sorcelé, hein, c'est ça, voilà. On reach maintenant le 2,06 sur la sève, ce qui est pas mal, sachant que, comme je vous dis, on va voir. Alors, j'espère ne pas me tromper et que là, c'est pas spammé. Mais j'ai fait un tour de tremble, c'était full. Ok, alors j'y suis. C'est un à gauche, un à droite. J'espère qu'il est pas pris. Le fail si tout est pris les gars. Attendez, je vais à droite. Mais ouais, si y a un mec qui a pris. Je sais pas combien on est de bûcherons niveau 2-5 actuellement. Ah, le mec il est passé. Bon, vous savez quoi, j'attends un petit peu, je relance un petit peu après. Ok les gars, je reprends un peu plus tard. Et c'est bon, le tremble est là. Donc c'est parfait, je vais pouvoir enchaîner tranquillement. Donc dès qu'on a un récolteur, pas sur le premier. Dès qu'on en a, je vous montre tout simplement. Regardez, j'ai mis tous les bois ici. D'ailleurs, il m'en manque. Du coup, voilà. Dès qu'on a le petit récolteur, on espère, on a 2% de chance. Plus le tchal. On espérera avoir des bons tchal aussi. Ça aide. Et voilà. Alors, les gars, je suis sur la fin du tour. Malheureusement, j'ai pas été aggro une seule fois. Sachant que j'ai eu tous les trembles. Il y a juste un qui avait pas rip-up apparemment. Je sais pas combien ça en fait de bois coupé. Mais ça en fait un petit paquet sans tremble, malheureusement. Donc, il en reste deux là. Il y a celui-là et un juste au-dessus. Pour peut-être espérer au moins l'aggro, hein, sachant qu'il faut l'aggro et après avoir 2% de chance. Alors non, si, c'est censé être là et là. Il est pris. Attends, je vois pas. Ah oui, là, je crois que c'est ça qui est... Ouais, il était pris. Ok, bon, voilà. Donc, bah, malheureusement, pas d'aggro. J'attends que ça respawn et je vais repartir faire mon petit tour. J'arrive qu'un petit peu, voilà, tout simplement. On aura un certain nombre d'aggro. On se donne un max de chance. Et puis, bah, voilà, ça serait vraiment cool, juste en panneau comme ça, toute mimi, en jeu lax et tout, qu'on drop. On va tout donner, les gars. Et vous savez quoi, pendant que j'y vais et que je suis en train de penser que peut-être qu'il y en a qui connaissent pas et qui se disent, ouais, ok, c'est cool, mais c'est quoi? C'est un item, en fait. Enfin, c'est une ressource qui est utilisée dans les items THL qui coûtent. Et c'est un truc vraiment très cher, en fait. Parce que c'est très très rare à avoir.
Donc tremble, par exemple, là, si je vous montre, ceux qui connaissent, vous savez de quoi on parle. Mais en gros, ça permet de crafter une bûche de tremble. Donc c'est pas pour tout de suite, hein, mais justement, comme je vous dis, c'est l'occasion peut-être de faire un peu de stock. Et voilà, ça permet de crafter ces items-là qui sont très utilisés, les bottes du cœur saignant, la cape de l'œil attentif aussi. Les autres pas ouf, mais voilà, rien que les bottes du cœur saignant, c'est déjà très bien. Donc voilà un petit peu pourquoi je fais ça, si jamais. Et du coup, c'est très très dur à obtenir et bah, c'est cool. Il y a du challenge, tout simplement. Ok les gars, j'arrive encore au bout du deuxième tour et malheureusement, toujours pas d'aggro. Donc on finit là sur les trois derniers et on espère sur ces trois peut-être une aggro. Waouh, quand même. Regardez, bon, là ça n'a pas encore respawn, malheureusement. Celui-là, il est ok. Ouais, parce que j'ai quand même chopé 340 bois. Et toujours rien. Oui, on l'a en direct. Yes, 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 yes. Bon, 2% de chance. Avec le tchal, ça rajoute un petit peu. Zombie, 25%. J'ai mes sorts haut pour... J'ai pas de PO. C'est génial. On va mettre des petits lancers de pièces. Tac, tac, tac. Ok, les gars. Notre premier tremble ensorcelé. Est-ce qu'on va drop? C'est parti. 3, 2, 1. Non, pas de drop sur le premier. Ça aurait été beau, mais il faut pas déconner. Au moins, on a eu l'aggro. C'est cool. Ça part de là. Oula. Pas gros les mobs. On va aller sur lui. Donc je fais ça et à chaque fois je retourne au début du tour, non, pas de deuxième aggro. Je retourne au début du tour et dès que ça spawn, bah je repars, tout simplement. Yes les gars, deuxième tremble à la fin du troisième tour. Donc encore limite, mais c'est petit pour une nouvelle chance malheureusement intouchable. C'est pas grave, pas de challenge, bon ça c'est toujours 2%. On peut détacler, on peut mettre une belle massacrante. On crit et pas de drop, dommage. Pas de drop, il nous reste un petit tremble à faire, il est là. Est-ce qu'on va avoir encore une aggro? C'est deux fois le même, hein, c'est fou. Hein. Deux fois le même tremble, pas d'aggro. Deux fois le même tremble qui agresse, je veux pas dire, mais voilà quoi, les autres faut se réveiller. Vas-y, je fais encore quelques tours, hein, de toute façon, je... pour l'instant que deux chances, c'est pas drôle. Ok les gars, j'ai un nouveau tremble, on est parti. Oh, blitz, 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 blitz. Oh, alors là les gars, ça peut être sympa, il faut juste que je m'assure de tuer parce que 5 PA. Ah ouais, je peux pas m'assurer de tuer en fait. Non, attends, fait le minéral, je vais aller check les dégâts. Non, les gars, il faut que je crit. Si je crit, j'ai blitz. Ah, quel dommage. 5 PA, quoi. Et j'avais 5... j'avais 29% de crit, en vrai, hein, dommage. Bon, c'est pas grave, on espère quand même le drop. Pas de drop sur cette sève-là. Sur ce récolteur-là. Ok, les gars, après une petite pause PVM, on a fait quelques donjons, on a fait le gourlot, là, on a continué les tours du monde. Donc, regardez, j'ai vite... j'ai XP de ouf encore, c'est trop bien. Du coup, bah, je reprends et on a un petit tremble. On a le tchal statue pour espérer de venir dropper notre sève. On va s'en faire encore un petit peu. J'espère qu'il va venir. Tu vas pas fuir, hein? Oui, nickel. Allez, on va pouvoir finir. On est parti. Allez, les gars. Non, pas de trêve. On continue. Eh, je vous montre, hein. Les gars, regardez. J'ai... 836 de tremble plus les 4, hein. On vient d'en faire 4, enfin j'ai eu 4 protecteurs, donc ça fait qu'on a passé les 1000 trembles. Et toujours pas de petite... C'est le mec, non, non, mais en vrai c'est surtout le fait que voilà, on en a eu que 4, alors j'ai fait... ça c'est le 4ème ou 5ème tour, je sais plus. Bref, je continue, on en fait encore quelques-uns, on enchaîne. Ok, re les gars, on se retrouve, j'ai fait encore un tour, j'ai fait, je crois, même 2 tours depuis le dernier récolteur, et malheureusement pas... d'aggro, donc c'est un petit peu triste. Il y avait en plus quelqu'un là qui tournait, donc bah, j'ai perdu pas mal de temps là, ça fait un moment là, regardez, il est 19h, j'ai fait quelques trucs entre temps pour m'occuper vite fait, mais bon voilà, voilà, du coup je vais couper ce dernier tremble avec vous, c'est là, on est à la fin du tour. S'il y a rien, tant pis, on va s'arrêter là les gars, parce que j'ai envie de vous sortir la vidéo, il est déjà tard, désolé, j'aurais vraiment vous proposer j'aurais vraiment voulu vous proposer un peu plus d'aggro pour plus de suspense, mais bon, voilà, je peux pas trop maîtriser, comme je vous dis, là il est, voilà, je veux vous sortir la vidéo pour aujourd'hui, du coup j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi si vous êtes chaud. Comme ça, là, comme ça, parce que moi, je vais me chauffer à continuer, évidemment. Si vous êtes chaud, vous me dites, et puis je vous fais une petite compile pour la prochaine fois, pour le prochain épisode. Voilà, c'est cadeau. Vous me dites si jamais ça vous tente, si, oh, pas spécialement, ok, mais voilà, si jamais vous voulez voir un petit peu. En tout cas, moi, c'est sûr, je vais faire un petit coup, là, avec le petit tennis. C'est trop mignon, on est trop bien, les gars. Un régal, en tout cas, toujours j'âge. Un grand merci encore à vous d'avoir regardé cette vidéo, pour les abonnements, pour les likes, pour les commentaires. N'hésitez pas à y remédier, comme d'habitude, sur cette vidéo. Je vous dis à la prochaine sur j'âge. Et bientôt la reprise des vidéos, puisque là on va pouvoir tranquillement jouer maintenant sans trop être vraiment pressé, même si voilà, on garde vraiment un bon rythme et on avance comme il faut. Voilà, tout simplement. Allez, ciao tout le monde.